partout, avec vous. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bien, cet après-midi, nous avons eu un temps relativement chaud sur l'ensemble des régions intérieures. Les températures repartent à la hausse encore demain. Météo Algérie prévoit un temps souvent nuageux aussi à l'intérieur du pays, avec possibilité de quelques faibles pluies. Ces nuages vont gagner du terrain, ils vont se déplacer vers les régions côtières de l'ouest et puis sur la partie sud. Possibilité encore une fois de quelques faibles pluies, parfois accompagnées d'orages, vers l'extrême sud, le Hoggar, le Tassili, le Sahara oriental. Pour demain, eh bien, même type de temps, dès le matin, vous réveillerez sous un temps généralement nuageux avec des nuages assez denses près des côtes ouest en début de matinée, puis suivi d'une alternance d'éclaircies et de passages nuageux à partir de l'après-midi. À noter aussi quelques faibles pluies vers l'intérieur centre, et ces nuages vont se déplacer vers les régions côtières du centre en fin de journée. Sur la partie sud, le maintien d'un temps voilé parfois orageux vers l'extrême sud, le Hoggar, le Tassili, le Sahara oriental. Des soulèvements de sable sont prévus au Sahara central. Les températures prévues pour cette soirée et pour demain matin, elles aussi, elles repartent à la hausse, notamment à l'intérieur est, avec 22 à Guelma, 16 à Batna, 17 à Sétif, 18 à Tizi Ouzou, 15 à Alger, Tlemcen, 16 à Oran, 19 à Annabès, Kikda, 12 à Albeyde, 20 à Bécha, 25 à Gardaïa, Biskra, 29 à Ilizi, Hassim Saoud, Ain Salah aussi, 15 à Tindouf et enfin 32 pour l'extrême sud. Demain après-midi, eh bien, même type de temps. Le temps sera relativement chaud à l'intérieur est, le Sahara central, le sud et l'Oasis. Météo Algérie prévoit des températures qui repartent encore une fois à la hausse avec 40 degrés à Guelma, 33 à Batna Sétif, 30 à Annabès Kikda, 32 à Djulfa, 29 à Albeyde. Alger affichera 26 degrés, 23 pour Tlemcen Tiaret, 25 à Oran, 29 aussi à Chleuf, 36 à Béchar, 34 à Tindouf, entre 44 et 47 au Sahara central, 45 au sud des Oasis, 44 à Ilizi, 39 à Manrasset Janet et enfin le maximum pour l'extrême sud avec 45 degrés à Bouj Bedjemourtal et Ngezem. Donc évitez de vous exposer au soleil si vous pouvez bien sûr. Sans plus tarder, on regarde les horaires de l'Iftar et de l'Imsak de quelques villes du monde et nous allons commencer par Marseille. L'heure de l'Iftar est prévue à 21h20, Imsak 3h26, Strasbourg 21h32, 2h58, Lyon 21h31, Imsak à 3h09, Lille 22h01, 3h19, Paris 21h55, 3h19, Madrid 21h44, Imsak 4h42, Londres 21h16, 2h26, et enfin on termine avec Rome où l'heure de l'Eftal est prévue à 20h44, Imsak 3h25. Demain, le soleil se lèvera à 5h29 et se couchera à 20h05 et les nouvelles du ciel continuent sur le site www.meteo.dz. Merci pour votre présence. Excellente soirée avec nous sur Canal Algérie, Sahaf Torkom, et à très bientôt pour d'autres nouvelles du temps. Bonsoir. Vous avez